Avec plus de 20 ans d'expérience dans le monde de la restauration architecturale. Non, non, non. Au suivant. Et c'est très demandé? C'est populaire. J'imagine. Tout le monde en veut un. Drew a rencontré des personnages hauts en couleur. 400 livres? 400 livres. Je me lèverai même pas pour ce prix-là. Monsieur Tite? Drew. Bonjour, je suis dur en affaires. Le milieu dans lequel j'évolue attire des gens intéressants, excentriques et formidables. Ils ont généralement une vision du monde différente de celle des autres. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je l'appelle le maître des cravates. Il les vomit de cette façon. Les personnes que je rencontre ont un style qui leur est propre. C'est ce que j'aime chez eux. Quand je leur achète des objets, ils sont parfois un peu décalés. C'est peut-être pour ça que j'arrive à les revendre aussi vite. Et je ne m'en plains pas. Wow, c'est magnifique. Au cours de ses chasses au trésor à travers le pays, Drew a visité des demeures à couper le souffle. Waouh ! Est-ce que les gens font ça en entrant ? Oui, ils regardent vers le haut. Leurs propriétaires ont souvent une personnalité tout aussi intéressante. Caroline ? Oui. Drew. Bonjour, Drew. Enchantée. Un de mes ancêtres a participé aux croisades. Les gens qui possèdent une grande demeure d'époque y vivent généralement depuis très longtemps. Donc, ils n'ont pas acheté leurs meubles. Ils en ont hérité. L'archiduc Ferdinand a offert cette chaise à mon arrière-arrière-grand-père. Franz Ferdinand ? Lui-même. C'est vrai ? Oui, oui. J'aime rencontrer les propriétaires de ces demeures d'époque parce qu'il faut avoir un état d'esprit particulier pour en acheter une ou pour choisir d'y rester. Dans les deux cas, il faut forcément être un peu dingue. Le truc préféré de ma grand-mère, c'était de faire ça.